بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 28 sur le cours de l'ordre des nombres réels et opérations. Niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Comparez 2 racines carrées de 7 et 4 racines carrées de 6. Puis comparez moins 5 racines carrées de 5 et moins 4 racines carrées de 11. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez comparer 2 racines carrées de 7 et 4 racines carrées de 6. Et après, vous allez faire la deuxième comparaison. Maintenant, on passe à la réponse ensemble. Comparant. Deux racines carrées de 7 et 4 racines carrées de 6. Pour réaliser cette comparaison, on peut utiliser une propriété qu'on a vue en classe. On va élever chaque valeur au carré. On a 2 racines carrées de 7, le tout carré, est égal à 4 fois 7, qui est égal à 28. Et 4 racines carrées de 6, le tout carré, qui est égal à 16 fois 6. 6 fois 6, c'est 36. 1 fois 6, 6, c'est 3, 9. Et si vous comparez ces deux résultats, on voit bien que 28 est inférieur ou égal à 96. Puisque 28 est inférieur ou égal à 96, alors, et je vais remplacer 28 par 2 racines carrées de 7, le tout carré, qui est inférieur ou égal à 4 racines carrées de 6, le tout carré. Donc maintenant, on peut passer directement à la comparaison de 2 racines carrées de 7 et 4 racines carrées de 6. D'après une propriété qu'on a vue en classe, je vais l'écrire ici. A positif et B positif. Deux nombres réels strictement positif. Si a au carré est inférieur ou égal à b au carré, alors a est inférieur ou égal à b. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà démontrée pendant notre cours. Donc, je vais tout simplement l'utiliser ici. Le nombre qui a joué le rôle de a ici, c'est quoi? Oui, c'est 2 racines carrées de 7. Et le nombre qui a joué le rôle de B? Oui, c'est 4 racines carrées de 6. Donc, je peux passer directement à la conclusion. Conclusion. Deux racines carrées de 7 est inférieur ou égal à 4 racines carrées de 6, d'après cette propriété qu'on vient d'écrire. Comparant moins 5 racines carrées de 5 et moins 4 racines carrées de 11. Pour ça, on va comparer d'abord 5 racines carrées de 5 et 4 racines carrées de 11. Comparant d'abord 5 racines carrées de 5 et 4 racines carrées de 11 pour pouvoir utiliser les propriétés qu'on a vues en classe. On a 5 racines carrées de 5, le tout carré, qui est égal à 25 fois 5, qui est égal à 125. Et 4 racines carrées de 11, le tout carré, est égal à 16 fois 11.
16 fois 11, c'est 16 fois 10 plus 16. 16 fois 10, c'est 160, plus 16, c'est 176. Et comme 125 est inférieur ou égal à 176, alors 5 racine carrée de 5, le tout carré, est inférieur ou égal à 4 racine carrée de 11, le tout carré. Et je vais utiliser la même propriété que j'ai réalisée dans la première question. Par conséquent, 5 racine carrée de 5 est inférieur ou égal à 4 racine carrée de 11. Puis je vais multiplier les deux résultats par moins 1. Donc moins 1 fois 5 racine carrée de 5 va devenir supérieur ou égal à moins 1 fois 4 racine carrée de 11. J'ai changé le sens de cette inégalité parce que j'ai multiplié les deux membres par moins 1. Moins 1 fois 5 racine carrée de 5, c'est moins 5 racine carrée de 5, qui est supérieur ou égal à moins 4 racine carrée de 11. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.